top with smite. Oh, stylé. On a un top avec smite. C'est peut-être une mécanique à voir avec le smite. J'ai pas trop suivi. Ah, oh, ça m'intéresse. Moi, j'attends de voir. Je suis contre Cartouche, j'espère. Les gars, c'est la pré-saison. You can change summoner, comment ça? Ah oui, il va changer de summoner plus tard. Oh, what the fuck. Oh, c'est trop stylé. On a un top avec smite qui va commencer sur un des camps adverses, je pense. Oh, je kiffe, je suis trop refait. Du coup, il va partir sur le stuff jungle. Et il changera après son smite en autre chose. Mais la question, c'est est-ce que tu peux changer en ayant cet item dans ton historique? Je joue donc sans potion de corruption dans cette game. J'aime pas trop, mais j'ai envie de tester, voir si j'ai vraiment un gros power spike early game. Et je pense que j'ai un gros power spike early game. Là, je vous rappelle, on fait 3 E et on a un Storm Rider. Donc on pourrait esquiver ses Q pendant 3 secondes. On fait un level up et on peut régénérer la mana qu'on a burst. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le burst level 1. Je vais le full trade. Si c'est, j'espère que c'est Karthus. Je pense que c'est Karthus. Ouais, c'est Karthus. Yasuo, il est en train de backdoor de Foxy. Là, je vais full trade comme un enculé. Là, j'ai la mousse speed en plus. Parfait. Voilà, parfait. Vous voyez la mana que j'ai perdue là? Ok. Alors, notez bien la mana que j'ai. Après ce petit trade, normalement, là, avec Cassio, je suis dans la merde. Mais regardez bien ce qui va se passer. Ouais, j'avoue que je me fais un peu baiser. Oh là là. Ah ouais, il a météorite. Oh là là. Météorite, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça va vite. Hein. Je pensais que c'était beaucoup plus lent. Ouais, en fait, ça va être chaud. Ça va être très très chaud, je pense. Ah, ça va être très 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 chaud. Et là, vous voyez, ma mana coûte 0. Ce trade est gratuit, messieurs, dames. Voilà. Ouais, ce trade était gratuit. Regardez la mana que j'ai régène dans la titan. Ouais, donc ça, c'est ma mana. Voilà, les potes. Voilà là, toute la mécanique de ce Theorycraft de génie. Voilà ce qui est bien. Oh, c'est un problème. Alors là, je fais proc mon Storm Rider. Et là, j'ai mon shield de résistance magique. El Famoso. Ouais, je suis un connard. J'aurais dû flasher. Bon, c'est pas grave, j'ai toujours mes sum. Le shield de résistance magique, il donne pas beaucoup, mais 58 quand même. On va TP sur ce creep. C'est bien qu'il y avait une mid direct. Ouais, j'ai un peu grid, c'est dommage, je voulais vraiment tout cette step. J'adore. Je prends des risques à la con, mais j'adore. Franchement, toutes mes maîtrises, je les kiffe. Et en plus, je les ai assimilées. Genre, le shield de Magic Crazy, je sais quand est-ce qu'il va poke. Bon, le Storm Rider, j'ai encore un peu de mal parce que c'est tellement étrange d'avoir un Storm Rider. En fait, il proc tellement pour rien que faut rester focus quoi. Top quoi là. Ah oh merde non, ouais, E. Et là on a le proc Storm Rider. Il a mousse derrière. Mon dieu, mon level. Vous avez vu ou pas? J'ai proc Storm Rider en faisant E sans même chercher à. Putain, c'est insane! Mon niveau incroyable! J'avais raté mon Q, j'étais foutu! Qu'est-ce que j'ai fait? Sans faire de damage, proc Storm Rider, qu'est-ce que tu vas faire? Oh le feu! Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le codex méphitique directement. On rush pas Rod tout de suite, ça sert à rien vu qu'on a un but beaucoup plus rapide maintenant. Et ça va nous permettre de profiter de la CDR early. Sachant que level 10, on aura 10% de CDR supplémentaire directement qui vient d'en s'ajouter. Oh là là, mon dieu, le feu que c'est cette merde! Merde, il y a un fight. Oh, ça craint. Oh là là. Il va faire E. E. Oh, mais ce qu'il a pris là. Voilà, en fait, j'ai pas voulu le tuer trop vite. Pour la simple raison que. Oh, le shield de résistance magique, tu fais la différence. J'ai pas voulu le tuer tout de suite parce qu'il avait plus de mana, il pouvait plus mettre de Q sur Shyvana. Donc je me suis dit, je vais attendre un peu avant E pour qu'elle puisse s'extirper de la zone et qu'elle ait que 1 Q à cette step. Et voilà, du coup, elle a survécu. J'ai été meilleur. Je pense que le Storm Rider il est excellent. Avant, contre les tanks, ça va être broken. Maintenant, tu vas pouvoir te repositionner ce que tu pouvais pas faire avant. Avant, tu pouvais pas kite un tank avec Cassio. Maintenant, tu vas pouvoir. Alors après, je dis pas, hein, le Shogaf il va continuer de te. Je suis un enculé en vrai. Hein. Le Shogaf il va continuer de te slow à l'infini mais. Et donc tu pourras pas t'extirper. Mais si t'arrives à lui placer ZAE avant qu'il arrive à range, t'es safe, tu peux te repositionner. Ce que tu pouvais pas faire avant parce que c'était impossible de proc Storm Rider contre Shaw. Maintenant il suffit de toucher 3 sorts. T'as même pas besoin de toucher des skill shots, tu peux faire E et t'es safe comme j'ai fait tout à l'heure contre le Kha'Zix. D'ailleurs c'est vraiment la première fois. Ce fight contre Kha'Zix je l'aurais jamais gagné de ma vie. Hein. Ah j'ai fait de la merde. Ouais non j'ai fait de la merde. Ah ma veille c'est dommage. Bon aujourd'hui air flash, je sais pas pourquoi j'ai flash air. Attends je proc phase rush sur les autos ou pas? Attends est-ce que je proc. Mais oui! Je peux faire A. Mais attends mais je suis complètement con. Ah d'accord ok je suis un débile. Je me rendais même pas compte mais t'es ADC tu fais 3 auto-attaques, ça proc phase rush en fait. C'est-à-dire que moi je peux faire. Attendez, je peux faire auto-attaque, E auto-attaque. Et je crois qu'on phase rush. Mais c'est insane! Bon je fais des tests en game, c'est un peu chaud mais. Par contre ouais du coup ça veut dire qu'en early je peux faire E auto-attaque E et je proc Storm Rider.
Donc je peux vraiment faire des très... Bah d'ailleurs c'est ce que j'ai fait level 1 contre Cartu, je l'ai démoli. Les level 1 ils vont être encore plus forts qu'avant en fait. Parce que je proc Storm Rider beaucoup plus vite, du coup je peux esquiver les sorts. Je peux le chase jusqu'au bout du monde. Ouais, le level 1 de Cassio il va être incroyable avec cette maîtrise. Phase Rush là c'est fort. Ouais, alors le truc de mana par contre il sert vraiment plus à rien passer un certain stade. Je peux avoir des maîtrises beaucoup plus intéressantes à ce stade de la game. Mais je trouve que c'est tellement fort en early que... J'ai obligé de la prendre. Ouais là j'ai proc Storm Rider, c'est parti. Ah bah il esquive tout aussi. C'est des fous, ouais. Il me sous-estime en face. Hein. Oui ma mana est gratuite. Là je régène de la mana en fait. Je régène de la mana à chaque level up. A chaque kill, à chaque level up, je régène de la mana. A chaque... Mais putain à chaque kill, attends, j'ai pas ça à chaque kill quand même. Attends. Attends mais si. Si j'ai ça à chaque kill. A chaque kill j'ai mana illimité. Oh là là. Oh merde, ça veut dire qu'à chaque... Non mais ça veut dire qu'en gros, dès qu'on fera un kill en teamfight, même si je suis Oum, je vais pouvoir faire spammer mes sorts. Super, j'adore. Si je lance pour 1000 mana de sorts, et ça va très très vite, hein, en 3 secondes, 5 secondes pardon. En 5 secondes, je peux largement lancer 1000 mana de sorts. Je peux me rendre genre 1000, donc 1000, 12% de 1000, ça fait 120 mana comme ça gratos. Et c'est sans parler du fait que si je laisse tech le E... Oh non mais c'est abusé. À un moment donné, faut se remettre en question sur le skill shot, là ça va pas du tout. Hein. Il a fini quel rank? Oh, j'en s'en fous, j'étais des deux sur 3 comptes, tous permaban, tous ont déjà été ban 14 jours. Il joue level D1 quand même, c'est du vol. Ah, je suis en D1 les gars là. Non, mais là vous avez peut-être l'impression que j'ai tagué en normal, mais je suis en ranked. Hein. C'est juste que là c'est le bordel parce que tout le monde s'amuse quoi. Vas-y, j'ai le proc Storm Rider. Ah, mais attends, mais j'ai un slow, mais pourquoi j'ai un slow? Mais attends, pourquoi j'ai un slow? Pourquoi j'ai un slow? Mais ah, j'ai un Riley. Ok, j'ai oublié que j'avais build un Riley. Ah, je me disais c'est bizarre. Quoi, j'ai un slow? J'ai build un Riley. J'avais oublié. J'étais en mode mais ouais, j'ai activé une maîtrise secrète. J'avais même, j'étais tellement fatigué, j'ai même pas vu que j'avais build un Riley. J'étais en mode mais what the fuck? OP is that shit? Je me suis dit il y a un truc qui approche avec un de mes teammates. Bah du coup j'ai solo la game sur ça. J'étais en mode mais pourquoi slow je les ennemis? Pourquoi slow je les ennemis? Je ne comprends pas. Oh merde, j'ai troll. Non mais j'ai troll, on va perdre à cause de moi, c'est bon. Aussi, pourquoi ils sont derrière moi, c'est con. Vas-y, go FF, ça m'énerve. Go next, on perd du temps là. J'en ai trop marre de cette game. J'ai pas envie de la jouer. Je suis trop fatigué, j'ai envie de tester un truc là. Ça va me souffler cette game. On a toujours le bot flasher. Pas d'ulti. Ouais, il est probablement gagné le fight derrière. De toute façon, Cartus il va bientôt disparaître là. Voilà, ils sont trois morts. Ils sont en train de chase le quatrième. Vas-y, go prendre tous les inhibs ou finir la game sinon, accessoirement. Bon, j'ai un peu troll, mais le dernier fight c'était la grosse merde. J'ai fait aucune stun up pendant tout le fight et ma team a carry pour moi. Moi, je sais pas trop pourquoi les team fight là. Après, je l'ai slow, hein. Je vais rattraper, je pense. Oh, il a eu un shield là. Il a un shield de MR, je crois qu'il a eu le shield. Attends, il a pas le shield de MR, c'est impossible. Ah, mais non, il a pas le shield de MR. Ce sont les Zunkers. Ok. Non, parce que je commence à croire que certains trucs c'est les items alors pas du tout. Bon, on a gagné, super. En fait, je m'en fous de gagner ou de perdre là. Le problème c'est que si je commence à full tryhard, je peux vraiment monter très très haut dans la première semaine. Je pense qu'à partir de la deuxième semaine, ça va se stabiliser. Mais là, comme tout le monde teste des trucs, j'ai pas envie de gagner des games sans les mériter. Bon, écoutez, on a quand même win. Je dois quand même être top damage. Oui, pas du tout. Pas du tout.